C'est très gentil, Mister Blue. Je t'envoie tout ça en MP du coup tout de suite. Mister Blue est adorable. Corbac, double Corbac. On a un survivant ici. Ça c'est génial. C'est vraiment génial. Palette. Voilà, pile poil. C'est pour ça que j'ai pas tapé, c'était juste pour avoir un petit peu plus de sang. Ça aurait rien changé, de toute façon, le générateur serait quand même tombé. Ils étaient dessus. Et là, du coup, j'ai mon pouvoir. Si j'avais pas attendu, j'aurais pas eu mon pouvoir, je pense. Ça aurait été un peu plus compliqué de l'avoir. On a la faute du prochain générateur sur lequel aller. Quel? Et voilà, on ralentit bien là, c'est plutôt cool. Notre générateur pète aussi. Le générateur là, il est à 0%. Celui-là, donc je sais pas combien il est, il doit être à un peu moins de 50%. Ah, nickel. Parfait, c'est exactement ça. Incroyable. Et quoique, attends. Ouais. On va casser ici, tiens. Ça c'est fait. On a mis éruption sur le gène, c'est nice. Et on a notre troisième chase. Je sais pas si on peut dire que la chase contre... contre le survivant qu'on a accroché contre vraiment comme une chase vu qu'on l'a eu instant. Palette, non. Allez, repart dans le main. Et là on a le hit. Et on a le pouvoir. On s'en va, on s'en va. On va laisser à l'arbre à cochon. Joli. Ratio. Je suis super vite par contre. Je suis impressionné. Salut, ça va? Ah yes, on part un deuxième générateur, c'est pas grave. On va l'installer ici. C'est tout ce qu'il y a comme bubule là? Je suis un peu déçu. Ah attends, tac, maintenant. Petit joue bien. Ok, palette. Non. Bon bah c'est le hit. Dommage. Fallait baisser. Il veut écho les palettes. On fait une petite patrouille, let's go. On va aller voir du coup ce qui se passe au niveau du bâtiment principal. On est plus intéressé du coup pour accrocher. Alors priorité du coup, là on va jouer stratégiquement. Priorité à Zarina. Zarina, si on l'accroche on la passe P2.
plus intéressant pour nous d'accrocher Sarina. On va se rapprocher par là-bas, comme ça on va peut-être pouvoir accrocher du coup l'autre survivant. Non, il a été relevé. Ok. Allez, bon, on s'en va, on va les laisser, du coup on sait qu'ils sont tous les deux là. On va les laisser, on va pouvoir accrocher Yuichi. Au moins qu'il a un dé. On a accroché Végétateur qui est là, on va pouvoir enlever à nouveau 15% sur un gène, on vient d'enlever 30% au total. Plutôt cool hein. Plutôt cool les crochets falgiateurs là. Hop, pour récupérer deux bulles, on est à presque un petit tiers. Et ça agresse bien, et on a un trigène ici, on est pas mal. Allez, on se serre, il y a des bulles par ici. Ok, bien joué. Ça serait vraiment cool de pouvoir récupérer le pouvoir. Il manque pas grand chose pour pouvoir le récupérer. Et ça y est. Nice. On repart vite fait sur le central et en même temps on va back save. On va le laisser, il y a que lui là je pense. Il va s'imaginer qu'on tunnel alors que non. J'aurais dû arrêter, j'ai mal joué là. Tac. Bien joué, je pensais qu'il prendrait la fenêtre. Je perds beaucoup de temps sur lui. Dommage. Allez, j'ai... Alors on va aller voir ce qui se passe un petit peu par ici. J'ai vu qu'il y avait un survivant. Voilà, on a piqué éruption sur le gène, on a les deux générateurs qui sont sous éruption, c'est cool. Peut-être moyen de récupérer le pouvoir ici. Ça va se jouer à pas grand chose je pense. Aller trop loin, c'est pas grave. Ici, y'a plus rien. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Zarina nous intéresse. Là, on a un frit. On va sur Zarina, on la tue. Allez, let's go. Zarina, on sait que si on, on l'accroche encore, c'est la P3 et du coup, un survivant de moins géré. C'est parfait. Ouais, enfin quand même là, c'est un peu abusé. Nickel. Allez, je pense qu'on va perdre sûrement un générateur de plus. On se retrouve avec un générateur, un survivant en moins, 6 accrochages. C'est serré quand même, hein, parce que vous avez vu, ils se démerdent bien en face. Y a que Vito qui a l'air d'avoir un petit peu de mal par rapport au reste du groupe. Hey, je l'ai pas vu par contre, j'ai pas l'impression d'avoir vu de la game. Je crois pas. Y a que Vito qui a l'air d'avoir un peu de mal. Sinon Yuichi il envoie du lourd, la Zarina elle se démerdait bien aussi. Ok, Ace, le voilà. Si on a vu Ace à un moment donné, j'ai rien dit. Ouais, générateur de plus. Là, on a un trigène, c'est cool. Ils ont toujours pas baissé cette petite palette, hein. On va le faire tourner dans ce sens-là. Allez, on casse ça. J'ai fait tourner dans le mauvais sens. Il vaut mieux le faire tourner dans ce sens-là, c'est mieux. Comme ça, il peut pas avoir le fast-vol de ce côté-là.
Allez, on le récupère. J'aurais dû le récupérer direct, je fais un petit tour vite fait, mais bon. Après, ça va, en vrai, je pense qu'on a quand même le contrôle, là, ça devrait le faire. Le crochet là-bas, du coup, il est dead. On va l'installer ici. On va aller récupérer, du coup, les bubules qui traînent par ici. Nice. Ah, j'ai dit une connerie avec Ice, my bad. Hein. Oh, qu'est-ce que tu fous, là? Ah, c'est sous-gisé, hein. Vito, il a du mal. Dommage qu'il ait fait ça en vrai. Bah alors Vito ! Eh, première fois que je t'accroche, sérieux ? Bon les gars, ça se termine en game de farm ou quoi là ? Fuck ! Qu'est-ce qu'ils font ? Ouais, en vrai je pense qu'il en avait marre. Il a voulu abréger la game à mon avis. Je pense qu'il en avait marre. Non, ouais, là tu vois, ça fait plus action de. Bon, vas-y, c'est bon, t'as gagné. Tu vois, regarde, il revient vers moi et tout. Ouais, mais c'est la fin, ils savent qu'il y a un trigène et tout, ils savent que c'est mort. À moins qu'ils soient en vocal et que l'autre soit en train de faire le générateur ici. La puissance du trigène, j'avoue. Ici le générateur est stoppé. Ah, y'en a un qui... Ah ouais, y'en a un qui charbonne discrètement ici hein. En vrai, je pense qu'ils sont deux. Allez, on va rester sur le crochet, let's go. On l'entend quasiment pas quand il est en état critique, vous avez vu? Regarde dans la cave. Ouais, c'est pas impossible. C'est vrai, c'est pas impossible, il peut être dans la cave, ouais, j'avoue. Ah, tu penses que la ténacité, ouais? C'est vrai que ça réduit les grognements de douleur de 75%, je crois, c'est ça. Hein. Ça te fait genre comme volonté de faire quand t'as un attaque critique, quoi. C'est là-haut. Le bruit de casier, c'est là-haut qu'on l'a entendu. C'est en haut. Ok. Il était en haut, putain. Il était en haut, le salaud. Il y avait pas mal de sang dans un casier. Ah ouais, c'est pas fait gaffe. En vrai, je suis rentré en mode bourrin, j'ai même pas percuté, t'as vu. Allez, c'est pas grave, j'ai déjà eu en tout cas.